Bonjour et bienvenue dans cette méditation. Pour ce temps de méditation, je t'invite à t'installer plutôt sur une chaise. De préférence, sur une chaise pour que tu puisses avoir les pieds bien déposés au sol, toute la plante des pieds bien déposée au sol, les jambes pliées à 90 degrés. Et les fessiers, les os des ischions, déposés plutôt en bord de chaise. Il est important que tes ischions, tes fessiers soient plutôt en bord de chaise et non pas contre un dossier, pour maintenir une posture qui est à la fois tonique et à la fois relâchée. Le temps de t'installer. Tu peux déposer tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses, là où c'est naturel pour toi. Le temps de t'installer, de trouver la posture juste. Et puis une fois que tu l'as trouvé, une fois que tu as bien tes pieds placés au sol, toute la plante des pieds déposée dans le sol, tu peux venir fermer les yeux pour commencer ce temps de méditation. Je t'invite tout d'abord à prendre conscience de l'endroit où tu te trouves. Tu es assis, assise là, peut-être dans cette pièce, peut-être dans un endroit en particulier, peut-être dans un endroit familier. Prends conscience de ton corps déposé ici. Dans cet endroit. Prends conscience de tes pieds dans le sol. Peut-être que tu sens la texture du sol sous tes pieds, la matière. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est plutôt froid ou plutôt chaud? Est-ce qu'il y a une différence de température entre ton pied à gauche et ton pied à droite? Est-ce qu'il y a une différence de poids? Je t'invite à observer, à ressentir, à être dans cette curiosité des ressentis. La méditation n'a pas d'objectif particulier, si ce n'est que d'observer, de sentir, de ressentir ce qui est là présent à cet instant. Si tu as plein de pensées qui sont présentes, c'est complètement normal. Et tu peux faire le choix avec toi de te dire OK. Je laisse les pensées me traverser. Elles me traversent. Elles passent d'une oreille à une autre.
derrière mon front. Peut-être que c'est des pensées concernant l'après, de qu'est-ce qui va se passer, de qu'est-ce que tu dois faire. Ou peut-être que c'est des pensées sur la journée que tu viens de passer, ou le moment que tu viens de passer juste avant. Peut-être qu'il y a des préoccupations, peut-être de l'excitation, ou peut-être rien de tout ça. Laisse passer ces pensées et reviens aux sensations dans tes pieds. Chaque fois que tu vois que tu pars dans tes pensées, dans des histoires, dès que tu t'en rends compte, dès que tu t'en aperçois, reviens ici à ce que tu es en train de sentir sous tes pieds. Puis remonte avec ton attention le long de tes mollets, de ton mollet à gauche, de ton mollet à droite. Puis fais glisser ton attention dans le creux du genou. Fais le tour de tes genoux, à droite, à gauche. Et puis viens sentir tes cuisses. Peut-être que tu sens tes mains déposées sur tes cuisses. Tes cuisses contre tes mains. Viens ressentir ici tes deux paumes de main dans tes cuisses, au contact de tes cuisses. Ressentir toute la largeur de ta paume de main, de ta paume de main à gauche et de ta paume de main à droite. Sentir la pulpe de tes doigts. Et puis à présent, tu vas porter toute ton attention sur ton pouce gauche, sur la pulpe de ton pouce gauche, sur la pulpe de ton index à gauche, sur la pulpe de ton majeur à gauche, sur la pulpe de ton annulaire à gauche. Et puis enfin, au niveau de la pulpe, de ton auriculaire, de ta main gauche, tous tes doigts, toute la longueur de tes doigts, toute ta paume de main à gauche. Puis peut-être ressens le poids de ton bras, de ton avant-bras, de ton coude, de ton bras, jusqu'à l'épaule gauche. Et s'y respire tranquillement. Est-ce qu'il y a des sensations plutôt agréables ou plutôt désagréables? Est-ce que tu émets un certain jugement sur les sensations? Une analyse. Observe tout simplement là où c'est léger, là où c'est peut-être un peu plus lourd, là où il n'y a pas forcément de sensation, là où la sensation est peut-être agréable, et s'il y a des points de tension. Et juste note-les. Et continue à respirer tranquillement. Ta respiration est toujours là. Où est-ce que tu la sens? Est-ce qu'elle est présente, ta respiration au niveau de tes narines?
ressens l'air qui entre et qui sort de tes narines. L'air qui entre à chaque inspiration et l'air qui sort à chaque expiration. L'air qui entre à chaque inspiration. Et puis à chaque expiration, ce léger soupir. Peut-être que ta respiration est légère, peut-être qu'elle est courte, peut-être qu'elle est un peu plus profonde. Laisse-la être, si elle doit être rapide, qu'elle soit rapide. Si elle est lente, laisse-la être lente. Et puis à présent, porte toute ton attention sur ta main, à droite. Toute la paume de ta main à droite. Et tous tes doigts à droite, sur ta cuisse droite. Ta main contre ta cuisse et ta cuisse contre ta main. Ressens toute la largeur de la paume de ta main. Est-ce qu'il y a une température? Est-ce que c'est plutôt chaud sous la paume de ta main? Est-ce que c'est plutôt frais? Est-ce qu'il y a une différence de température entre la paume de ta main à droite et la paume de ta main à gauche? Encore une fois, observe avec curiosité. C'est comme un jeu. Et si tu es parti dans tes pensées, prends-en compte et reviens ici, à ce jeu de curiosité, de sensation, dans l'instant présent. Tout ce qu'il y a à faire pour plus tard, ça arrivera plus tard. Tout ce qui est passé est passé. Tu pourras t'en occuper après, à un autre moment. À ce moment, il est juste pour venir sentir au niveau de tes pieds, au niveau de tes mains, et revenir reporter ton attention sur ta main à droite. Et à présent, porte toute ton attention sur la pulpe de ton pouce, au niveau de la pulpe de ton index, à droite, de ton majeur, de ton annulaire droit et de ton auriculaire droit, de tous tes doigts, de toute la pulpe de tes doigts, de ta main droite sur ta cuisse, contre ta cuisse. Et viens avec ton attention la glisser, cette attention, le long de tes poignets, remonter le long de tes avant-bras. Porter ton attention au niveau de tes coudes, dans le creux de ton coude, avant, vers l'arrière. Et puis continue au niveau de ton avant-bras et au niveau de ton épaule à droite. Pour venir sentir tout le poids de ta main à droite, de ton bras à droite,
depuis tes épaules jusqu'au bout des doigts. Et venir sentir tes deux épaules, tes deux bras, tes deux mains qui se relâchent et se détendent dans tes cuisses, tes omoplates peut-être qui s'écartent l'une de l'autre, tes épaules qui s'abaissent, qui se relâchent. Comme si l'on venait verser une huile agréable, chaude, le long de tes épaules, entre tes deux omoplates. Au niveau de ta nuque qui se relâche, et tout ton crâne qui se détend, comme après une bonne douche, comme pendant une bonne douche chaude et agréable. Et depuis le sommet de ton crâne, cette douche chaude, agréable, qui coule le long de ton crâne, de ta nuque, de tes épaules, qui se relâche, de tes bras, de tes mains, jusqu'au bout de tes doigts. Et viens à présent sentir et observer ta respiration maintenant. Est-ce qu'elle s'est transformée? Est-ce qu'elle s'est modifiée? Est-ce que tu la sens à un endroit en particulier? Au niveau de ton nez, au niveau de ta cage thoracique ou plutôt au niveau de ton ventre. Est-ce que tu la sens un petit peu partout? Est-ce que tu la sens fort ou légère et subtile? Observe. Avec beaucoup de douceur, les sensations qui sont présentes là pour toi dans ton corps. Les sensations dans le haut de ton corps. Les sensations au niveau de tes fessiers, de tes ischions, de ton bassin. Sentir à nouveau le contact de la chaise contre ton bassin, contre les ischions et tes ischions contre la chaise. Peut-être même que tu peux sentir ton périnée, ton plancher pelvien, toute cette couche musculaire en bas qui retient les différents organes à l'intérieur. Ton ventre, de ton torse, de ta cage thoracique, tout ce plancher pelvien qui repose dans la chaise et qui respire lui aussi. Et puis descends ton attention le long de tes jambes. En venant bien sentir l'intérieur de tes cuisses, l'extérieur de tes cuisses, tes deux genoux à droite et à gauche,
tes deux mollets, tes jambes, ta cheville à droite, ta cheville à gauche. Prends le temps de savourer, de déguster les sensations. Qu'elles sont présentes. Il y a des endroits que tu ressens plus que d'autres. Est-ce qu'il y a des endroits que tu ressens plutôt froid, plutôt chaud? Sans aucun jugement, en continuant à rester dans le jeu. Le jeu, J-E-U. Et porte ton attention sur la plante des pieds à l'avant. La surface de tes pieds à droite et à gauche, tes deux pieds dans le sol. Tes deux pieds dans le sol, ton bassin dans la chaise. Ta tête relâchée. Et respire ici tranquillement. Reviens ici à chaque fois que tu vois que tu es parti dans tes pensées. Et doucement, tout en gardant une attention à l'intérieur de ton corps. Commence à prendre de nouveau conscience de l'endroit où tu te trouves. De ce qu'il y a en dessous de toi, de ce qu'il y a au-dessus, à droite, à gauche, tout en continuant à garder les yeux fermés. Visualise-toi dans l'espace dans lequel tu es. Prends en compte les sons environnants. Les sons qui sont plus proches de toi et ceux les plus éloignés. Et puis commence à mettre du mouvement dans ton corps, peut-être t'étirer, étirer les bras, étirer les jambes, peut-être bailler, tourner les poignets, ouvrir la cage thoracique, danser avec le haut du corps. Vraiment aller faire les mouvements que ton corps a envie pour commencer à revenir ici, revenir de plus en plus dans l'espace de ton corps, tout en étant dans l'espace dans lequel tu te trouves, en étant en connexion avec le reste de ton environnement. Et puis tu peux venir ouvrir les yeux, regarder autour de toi. Et te remercier pour ce temps de méditation. Tu n'es pas obligé de repartir à tes occupations. Tout de suite, tu peux prendre le temps. Le temps d'intégrer et de laisser peut-être cette méditation, tes ressentis, se diffuser un petit peu plus dans tes occupations à venir. Merci.